La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. Karl Marx, critique de la philosophie du droit de Hegel. Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la saison 2021-2022 à l'émission Causerie Vodoun. C'est un plaisir pour nous d'assurer la continuité de cette émission. Et combien écouter de la saison 2020-2021. Et nous sommes très contents une autre fois, encore une fois, pour vous apporter l'émission Causerie Vodoun. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nation Nago, les lois Nago, les divinités Nago, les esprits Yoruba. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission. Je vous demande de mettre un like, un j'aime et de laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube consacrée au Vodou, eh bien, je vous demande de les faire parce que c'est important pour nous d'avoir un peu plus d'abonnés et un peu plus de visibilité, et parce que cette chaîne elle est consacrée à la culture ancestrale, à la tradition ancestrale, à la spiritualité et religion vodoun. Merci de tout cœur et bienvenue à la saison 2021-2022. Mon nom est Emmanuel Salomon, présentateur de l'émission Causerie Vodoun. Aïe Bobo, Ao Chanago, Ao. Très très grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé toutes mes émissions Causerie Vodoun, toutes mes vidéos que j'avais publiées sur ma chaîne YouTube Emmanuel Salomon pour la saison 2020-2021.
Je suis très content. Je suis fier, vraiment fier de vous. Parce que c'est grâce à vous hein, que maintenant nous avons plus de 10 000 abonnés. Ce n'est pas une mince affaire. Vous avez contribué vraiment à cette chaîne. Merci, merci, merci de tout cœur. Nation Nago ou bien Nation Nago. N'oubliez pas que le vaudou haïtien est divisé en 21 nations, 21 nations d'esprit, nations de divinité, nations de loi. Eh bien, Nation Nago, c'est le nom fond donné aux Yoruba dans l'ancien royaume de Dahomey, qui est le pays appelé aujourd'hui Nigeria. Dans la tradition ancestrale, dans le vaudou haïtien, eh bien, il y a une dominante fond, tandis que dans le candomblé du Brésil et la santeria du Cuba sont plutôt une dominante Yoruba Nago. Et cette émission va être dédié aux esprits, aux divinités, aux lois faisant et partie de Nation Nago. Nation Nago, Nation Nago. Aoshe Nago, Negro Nago dit Aoshe et Alodé. Aoshe Nago, Ao. Juste un petit rappel sur les rites Rada. Dans le rite Rada, on retrouve deux types de nations, à savoir nation Dahomey et nation Nago. Nation ou nation Dahomey, c'est l'ensemble des esprits du royaume de Dahomey, qui est le pays appelé aujourd'hui Bénin. N'oubliez pas, dans mon émission précédente de la saison 2020-2021, j'avais présenté le rite Rada. Dans le rite Rada, nous avons Nation Nation Dahomey et Nation Nago. Et cette émission, elle est dédiée aux esprits de Nation Nago. Vous aurez droit à une émission sur les différents esprits de Nation Dahomey. Ce sera pour bientôt. Comme je disais tantôt que Nation Nago, c'est le nom fond donné aux Yoruba dans l'ancien royaume de Dahomey, qui est le pays appelé maintenant Nigeria. Et on va retrouver cette nation d'esprit dans le vaudou qu'on pratique dans les Caraïbes. Que ce soit en Haïti, en République dominicaine, en Martinique, en Guadeloupe, dans les autres îles des Caraïbes, on va retrouver ces différents esprits faisant partie de Nation Nago, venant directement du Nigeria. À l'époque, c'était Yoruba.
Et si vous êtes au Brésil, eh bien, les candomblés du Brésil, eh bien, c'est une forme de spiritualité à forte dominante Yoruba, Nago. Et la Santeria au Cuba, c'est encore à forte dominante Yoruba, Nago. Et en Haïti, on a une forte dominante fond. Par exemple, le lacou Souvenance, c'est un lacou fond d'Aromain. Lacou Badio, lacou Nago. Lacou Soukri, eh bien, lacou Congo et Petro. Et le lacou John Daou Kaï Georges, où j'ai réalisé mon enquête des terrains. Et pour mon mémoire de licence en sociologie et anthropologie, c'est un lacou à la fois un lacou Daoumé, Nago, Congo, Petro. Et il y a d'autres lacous, par exemple la Vilocan, c'est l'ensemble. Il y a les esprits Nago, Petro, les esprits Daoumé, Ritrada, Rit Petro, etc., etc., etc. Eh bien, c'est vraiment vaste. C'est vraiment important d'appréhender les Nanchons, les esprits du Nanchon Nago. Et quand on est dans le rite Nago, on dit Aochen Nago. Par exemple, si je chante un chant Nago, eh bien, l'assistance va répondre Ao Shenago, Ao. Et quand je dis Negnago, dit Ao She, eh bien, vous allez, me répondre Eyalode, Ao Shenago, Ao. Voici quelques esprits, quelques divinités, quelques lois qu'on retrouve dans le rite Nago, ou bien dans la nation Nago, Nanchon Nago. On peut parler de Ogou Jean-Jacques, qui c'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand, Jean-Jacques Dessalines Amboise, qui après sa traversée, il va être déifié et divinisé sous le nom de Ogou Jean-Jacques. C'est pour vous dire que dans le vaudou haïtien, il n'y a pas Saint-Jacques majeur, il n'y a pas Saint-Jacques mineur, mais il y a de préférence Ogou Jean-Jacques majeur, Ogou Jean-Jacques. Et vous allez retrouver également Ogou Achadé, Achadé Liké, Achadé Bokor, également Legba Gwetor, Ogou Lemiso, Ogou Batala, Jean-Paul Nago, Olisha Nago, Bolisha Nago, Negnago Royo, Ogou Batagri ou bien Ogou Badagri, Ogou Ferraille, Ogou Bakosulade, Ogou Balidjo ou bien Ogou Balindjo. Il y a aussi dans la nation Nago, il y a également Ogou Panama, Ogou Alumanja, Ogou Chalonnette, Ogou Balomi, Ogou Ternier, Petit Fait Ternier, Ogou Baba, Ogou Kelenjo.
Ogubo Sal. Il y a aussi par pouvoir Ogu Chalira. Ogu Kankan Ikan. Ogu Bakoulé. Ogu Balodé. Ogu Malor. Il y a aussi Met Poto. Tioma Nouvelle. Et les Loanago, on les appelle aussi parrain Ogu. Et dans au niveau du département de l'Ouest, le Sud-Est et le Sud, on va dire dans l'Ouest et le Sud, on appelle Ogu Papa Ogu. Par exemple, dans le Nord, on dit tout court parrain Ogu. Les initiés dans l'Ouest et le Sud, ils appellent Ogu parrain Ogu. Il y a Ogu Fè, Ogu Fer. Il y a Ogu Ferraille, Ferré Ferré, Nèg Petit Fè, Nèg Jupiter, Nèg Sekouladé, Nèg Vanté Pafié, Nèg La Guerre, Garçon Malheur, Garçon La Guerre. Il y a aussi Nèg Allemand, Nèg Diamant, Nèg Du Feu, Nèg Lumière, Nèg D'Haïti, Nèg Potomitan, Tout Badji, Nèg 18 mai 1803, Nèg 1er janvier 1804, Nèg Ravina Kolev, Nèg 4 points cardinaux, Nèg qui commandait 29 points Kafou, 29 points Gambois, 29 points cimetière, 29 points Simiapaka, 29 points Saint-Miel. Maître Osain, Osain Balodje, Osain Balodji Tonnerre, Osain Agweki Balor, Osain Lele, Osain Koubé, Osain Legui, et j'en passe autant de divinités, autant de lois, d'esprits et faisant partie de Nation Nago. Nèg Nago, c'est Nèg Jacomel. Dis Nèg Nago, c'est Nèg Jacomel en bas, tonnel malheur. Dis bon temps, c'est nous. Mauvais temps, c'est nous. Oh. Dis bon temps, c'est nous. Mauvais temps, c'est nous. Oh. A supposé yo mette on gan en barrière. A supposé simpile ma passe zafè yo. Ogu kriye, ou kriye non. Di kok la chante, li wè malè. Di kok la chante, li wè malè. O se parola ki fè nou malo. Nou kriyon a au chien Nago pour les lois Nago, les esprits Nago, les divinités Nago. Ao chien Nago, ao. Ao chien Nago, ao. Nèg Nago di ao chien et alodé. Ao chien Nago, ao. Pour illustrer les lois Nago, Nation Nago, Nation Nago, je vous propose deux esprits Nago, à savoir Ogu Ferraille et Ogu Chango. Alors, pour Ogu Ferraille, il a comme attribution lutter contre la misère. Ogu Ferraille, il lutte contre la misère. Et il a comme caractère, c'est un guerrier, également un soldat, un général de l'armée indigène. Et Ogu Ferraille, il habite dans des calebassiers ou bien dans des bambous. Et le domaine de Ogu Ferraille, c'est le feu. C'est pour cela on retrouve dans les badjis des ferrailles, c'est-à-dire si
C'est du feu, c'est... Et il a comme symbole un arbre planté, un sable, pardon, un sable planté en terre. Et les pratiquantes et pratiquants, les petites ferrailles, ils portent le rouge et le bleu, et parfois le noir et le rouge pour Ogou Ferraille. Et l'arbre de prédilection de Ogou Ferraille, c'est le calebasser, comme je disais tantôt. Et en termes de type de possession, lui, il a un langage autoritaire et trivial. Et si vous souhaitez, si comme offrande, pardon, comme offrande pour Ogou Ferraille, c'est un coq rouge. Et on sacrifie un coq rouge pour Ogou Ferraille. Et ce même coq rouge, il est aussi pour Ogou Balagri, pour tout, et pour la plupart des lois Ogou, des lois Nago. Parce qu'il y en a, c'est du poisson. Et d'autres animaux, un cabri rouge, pour également Ogou Ferraille et Ogou Balagri. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le jour de bureau. Eh bien, le jour de bureau de Ogou Ferraille, c'est le mercredi, également le samedi. Tandis que le jour de bureau pour Balagris, le mercredi et le jeudi. Maintenant, je vais vous parler de Ogou Shango. Mais Ogou Shango, c'est dans cet ouvrage. Je vais vous lire et quelques extraits et où l'auteur présente Shango. Alors, il nous dit que Ogou Shango, c'est un dieu du feu, guerrier, juge, seigneur de la foudre et du tonnerre, homme courageux, colérique et de belle apparence. Shango a pour symbole et forêt, cheval, bélier, colombe, faisan. Et dans l'ouvrage, son jour est vendredi. Je n'adhère pas à ce jour-là, mais plutôt mercredi ou bien samedi. Et ses couleurs, c'est le rouge et blanc. Et le nombre et ésotérique, c'est le 6. Aliments préférés, maïs, piment, pomme, igname. Planète, Mars, Soleil. Et place rituelle dans la maison et forêt bureau. Formule de salutation, Kago, Kabiozil. Pardon pour la prononciation. Alors, et dans l'ouvrage, l'auteur Eric Ourisou, il dit qu'à l'origine, Shango était vénéré par les Yoruba, ça je suis d'accord, et une ethnie de l'actuel Nigeria. Aïe, aïe. Bien qu'il appartienne aux sept lois les plus puissants, il est aujourd'hui invoqué moins souvent à Haïti que les autres. Né sur la terre, il est un dieu de la terre et vivait au début avec les hommes dans le royaume Oyo qu'il dirigeait. Mais durant sa vie terrestre, il se préparait déjà à son existence divine. Et c'est ainsi que toutes sortes de forces magiques lui étaient déjà attribuées de son vivant. Des flammes sortaient parfois de sa bouche et il savait lancer des éclairs contre ses ennemis. Cette même faculté est attribuée à ses prêtres. C'est pourquoi autrefois, les personnes frappées par la foudre étaient transportées dans les bois et abandonnées là. Elles étaient considérées comme des méchants, voleurs, magiciens noirs et autres criminels que Shango punit toujours durement et qui avaient reçu leur juste châtiment. Lorsque ces sujets manifestèrent un jour leur insatisfaction à son égard, il monta vers le ciel
le long d'une chaîne d'or. Aujourd'hui encore, il est vénéré en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que divinité de la justice, et souvent représenté avec ses trois épouses, Oba, Oya et Oshun. Sur l'autel de la maison, la force de Shango est symbolisée par une hache à deux tranchants ou par les cornes d'un bélier. La hache indique que la vie est à double tranchant. L'invocation de Shango peut donner du courage et de la force en prévision d'un procès et peut apporter un soutien. Pendant la cérémonie, il confère l'invulnérabilité à l'égard du feu. Ce lien avec le feu en fait aussi une aide dans la guérison des maladies qui se soignent avec l'élément feu. Et l'auteur aussi, il propose un rituel pour la chambre des justices. Alors, si je reprends, Ogou Ferai, c'est presque pareil, Ogou Shango, mais Ogou Shango, c'est pas trop vénéré en Haïti, mais on vénère le plus souvent Ogou Balagri, Ogou Ferai, Ogou Balenjo, Jean-Paul Nago, Neg Nago, ou bien Ogou Jean-Jacques. Bien, l'esprit qui a le langage autoritaire, qui habite dans un calebassier, dans un bambou, l'esprit feu, l'énergie feu, le guerrier, le soldat, la divinité qui lutte contre la misère de tout le monde. L'esprit qui est habillé en bleu et rouge. Il a le foulard bleu et le foulard rouge. Quand il vient, il fait son apparition dans un service vaudou. Eh bien, il va marcher sur le feu. Il va jouer avec le feu. Parce que il est Ogou Ferai. Il est ferré. Il est petit fait nié. Il est nègre allemand. Il est nègre du feu. Et il a son coq rouge. Et il est toujours sous un cheval roux. Ça, c'est Ogou Ferai. Ogou Ferai, nègre ferré, nègre petit fête nié, nègre vente pafié, nègre ravine à coulev. Nègre qui a fait 18 mai 1803, 1er janvier 1804. Lui qui était avec nos ancêtres, avec les soldats de l'armée indigène. Il est toujours présent, tant en Haïti, au Brésil, au Cuba. Il est présent dans tous les pays, des îles, les Antilles, Ao Xanago, Ao Ogou Ferai, Maître Ogou Ferai, Ao Xanago. Voici quelques esprits, quelques divinités, quelques lois qu'on retrouve dans le rite Nago, ou bien dans la nation Nago, Nanchon Nago. On peut parler de Ogou Jean-Jacques, qui c'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand, Jean-Jacques Dessalines Amboise, qui après sa traversée, il va
être déifié et divinisé sous le nom de Ogou Jean-Jacques. C'est pour vous dire que dans le vaudou haïtien, il n'y a pas Saint-Jacques majeur, il n'y a pas Saint-Jacques mineur, mais il y a de préférence Ogou Jean-Jacques majeur, Ogou Jean-Jacques. Et vous allez retrouver également Ogou Achadé, Achadé Liké, Achadé Bokor, également Legba Gwetor, Ogou Lemiso, Ogou Batala, Jean-Paul Nago, Olisha Nago, Bolisha Nago, Neg Nago Royo, Ogou Batagri ou bien Ogou Badagri, Ogou Ferraï, Ogou Bakosulade, Ogou Balidjo ou bien Ogou Balindjo. Il y a aussi dans la nation Nago, il y a également Ogou Panama, Ogou Alumanja, Ogou Chalonnette, Ogou Balomi, Ogou Tenye, Petitfè Tenye, Ogou Baba, Ogou Kelenjo, Ogou Bosal. Il y a aussi par pouvoir Ogou Chalera, Ogou Kankan Yikan, Ogou Bakoulé, Ogou Balodé, Ogou Malor. Il y a aussi Met Poto, Tioma Nouvelle. Et les lois Nago, on les appelle aussi Parrain Ogou. Et au niveau du département de l'Ouest, le Sud-Est et le Sud, on va dire dans l'Ouest et le Sud, on appelle Ogou Papa Ogou. Par exemple, dans le Nord, on dit Ogou Parrain Ogou. Les initiés dans l'Ouest et le Sud, ils appellent Ogou Parrain Ogou. Il y a Ogou Fè, Ogou Fer. Il y a Ogou Ferraille, Ferré Ferré, Nèg Petitfè, Nèg Jupiter, Nèg Sekouladé, Nèg Vanté Pafié, Nèg La Guerre, Garçon Malheur, Garçon La Guerre. Il y a aussi Nèg Aliment, Nèg Diamant, Nèg Du Feu, Nèg Lumière, Nèg D'Haïti, Nèg Potomitan Tout Badji, Nèg 18 mai 1803, Nèg 1er janvier 1804, Nèg Ravina Kolev, Nèg 4 points cardinaux, Nèg qui commandait 29 points Carrefour, 29 points Gambois, 29 points cimetière, 29 points Simiapaka, 29 points Saint-Miel. Maître Osain, Osain Balodje, Osain Balodji Tonnerre, Osain Agweki Balor, Osain Lele, Osain Koubé, Osain Legui, et j'en passe. Autant de divinités, autant de lois, d'esprits, et faisant partie de Nation Nago. Nèg Nago, c'est Nèg Jacomel. Dis Nèg Nago, c'est Nèg Jacomel en bas, tonnel malheur. Dis bon temps, c'est nous. Mauvais temps, c'est nous. Oh. Dis bon temps, c'est nous. Mauvais temps, c'est nous. Oh. À supposer, yo mette on gagne en barrière. À supposer, c'est m'pile ma passe, zafè yo.
Ou kriye non. Di kok la chante, li wè malè. Di kok la chante, li wè malè. Ou se parol la ki fè nou mal ou. Nou kriyon a ou chen lago pou le loi nago, les esprits nago, les divinités nago. A ou chen lago, a ou. A ou chen lago, a ou. Neg nago di a ou chen, y a lode. A ou chen lago, a ou. Ogou fè, ogou fè, sou moutre m tire manche, fwa moutre m pare. Sou moutre m tire manche, fwa moutre m pare. Ogou fè, ogou fè, sou moutre m tire manche, fwa moutre m pare. Sou moutre m tire manche, fwa moutre m pare. Ogou fè, ogou fè, sou moutre m tire manche, fwa moutre m pare. Alors, pour aller plus loin, je vous propose le texte, l'ouvrage de Laennec Urban, l'ouvrage du professeur et sociologue Laennec Urban, Dieu dans le vaudou haïtien, édition Henri Deschamps. C'est un très bon ouvrage. Un ouvrage explicite qui va vous aider à vous plonger dans le vaudou haïtien. Je vous recommande vivement cet ouvrage. Je l'ai utilisé pour cette émission et également pour ma classe virtuelle pour la saison et pour la session 2021-2022. Comme vous le savez, j'ai une classe vaudou en ligne, une classe virtuelle et à la fois mystique et spirituelle qui va vous permettre de comprendre le vaudou dans sa globalité. Eh bien, il y a encore quelques places disponibles et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au plus 33 616 35 54 14. Je reprends plus 33 616 35 54 14 pour la classe virtuelle, une classe mystique et spirituelle, classe vaudou en ligne, une classe virtuelle. N'oubliez pas, d'acheter cet ouvrage et il est disponible sur différentes plateformes et Amazon, je sais pas, et autres. C'est un très bon bouquin, Dieu dans le vaudou haïtien de Laennec Urban, professeur et sociologue et professeur Laennec Urban. Et j'ai puisé beaucoup dans cet ouvrage pour vous présenter l'émission Causerie et Vaudoune. Et par exemple, pour comprendre, par exemple, il parle de Ogou Ferraille. C'est très important, c'est un très bon bouquin. Je vous le recommande. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition. Causerie à Vaudoune. N'oubliez pas que je vous aime. Je suis là pour vous. Si vous avez une question, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ma page Facebook Emmanuel Salomon, sur mon compte Instagram encore Emmanuel Salomon. Je suis aussi sur TikTok et d'autres plateformes. Les liens sont dans la description de cette vidéo, de cette émission. Et aussi, j'ai aussi un groupe WhatsApp, émission Causerie Vaudoune.
je suis aussi disponible. N'hésitez pas à me contacter. Bonne journée, bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Amwalaye, bon lisaï, Aoshanago, Ao, Aoshanago, Ao, Aoshanago, Ao.